dessus ou à côté de vous. Ne les caressez pas, ne vous levez pas, ne leur tendez pas les bras, n'essayez jamais de les toucher. Toujours pour votre sécurité, nous vous demandons de ne pas leur présenter de friandises ou toute autre nourriture qui attirerait immanquablement les oiseaux, et ce, durant toute votre présence sur le site de la forêt. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons à tous un excellent soir. J'ai vu, Coco. Alors, nous allons commencer notre présentation avec nos chouettes effraies. La chouette effraie est un rapace vivant en Belgique. Elle est nocturne et préfère nos clochers de nos églises pour y nicher. Elle se nourrit principalement de petits mammifères, tels que des souris ou des mulots. Ces pauvres oiseaux étaient jadis dotés d'une réputation très mauvaise. Soi-disant, ils portaient la poisse. C'est pourquoi on allait jusqu'à les clouer aux portes de nos granges pour soi-disant conjurer le mauvais sort. Avec lui. Non. Le gars. Silas. Silas. Félix. Viens, allez, viens. Ah, super.
Ah oui, il est là-bas. Nous allons maintenant vous présenter une autre sorte de chouette, la chouette boubouk. Elle est originaire de Nouvelle-Zélande et elle se nourrit essentiellement d'insectes. Ses yeux jaunes. Chez les rapaces dits nocturnes, en réalité, seuls 60% le sont réellement. Les 40% sont diurnes. Il en existe trois types. Les types à yeux jaunes, comme notre chouette Boubouk, qui vivent entièrement la journée. Les chouettes aux yeux noirs, comme les chouettes effraies que vous avez pu voir, qui, elles, sont les seules réelles nocturnes, et les yeux oranges, qui, eux, chassent le matin et le soir. Comme l'autre, je veux plus y aller. Ce sont dans l'allemand. Ah, mais tu vois, j'emprunte quel ballon aussi. Et si elle va revenir avec hein. Non, là-bas dans le fond, t'en as un. Ouais, mais si. Oui, oui. Une chouette encore, mais belge cette fois. C'est la chouette hulotte. Berlin ! Berlin ! Hop ! La chouette hulotte se nourrit principalement de micro-mammifères. Elle préfère nos bois pour y nicher. Berlin ! Hey ! Berlin !
Nous allons maintenant vous présenter le vol du Grand-Duc. Le Grand-Duc européen est l'oiseau le plus puissant et le plus grand nocturne au monde. Son poids peut atteindre les 4 kg et son envergure le 1,80 m. C'est le vol du Grand-Duc européen. Nous allons maintenant passer dans le public avec deux oiseaux. À votre droite, le Grand-Duc du Canada, un des oiseaux les plus grands d'Amérique du Nord. Et à votre gauche, le Harfang des neiges, l'oiseau le plus polaire sur la Terre. Son plumage épais et dense lui permet de résister à des températures allant jusque moins 40 degrés. Nous vous avons donc présenté notre Harfang et le Grand-Duc du Canada. Et nous allons vous présenter la buse de Harris. La buse de Harris est un oiseau originaire d'Amérique centrale. Sa plus grande particularité est que la buse de Harris est le seul rapace à vivre, mais aussi à chasser en groupe. Ils vivent d'une famille de 5 à 10 individus, avec les parents, les enfants, parfois même les grands-parents. Cette faculté leur a donné le surnom de loup du ciel.
notre buse de Harris. Nous allons maintenant vous présenter un rapace tout à fait différent de ce que vous avez pu voir jusque maintenant. Il s'agit du faucon sacre. Les faucons sont dits des oiseaux de haut vol, parce que ce sont des oiseaux qui n'ont pas peur de partir très loin et de prendre de l'altitude jusqu'à ce qu'on ne les voit presque plus. Pour aujourd'hui, merci beaucoup à tout le monde. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos oiseaux.